Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous illumine. Psaume 118, strophe 8. Je ferai
sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je n'oublie pas ta loi. Je réalise la grâce. Ô Jésus, jugement, croyez que je suis de tes fidèles et observe tes préceptes. Psaume 124. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent, ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, éternellement et pour toujours. Jamais ce sanglier ne tombera. Ne tende au crime l'âme des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien qui ont au cœur la droiture. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche se sent bien vive, et nos lèvres de chanson. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur.
Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et celui qui est le de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation royale. Son bel Jacob et tes demeures Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Comme le nom de son bel Jacob et tes demeures Israël. Il domine sur des peuples nombreux, sa royauté s'élève. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Mata El Maskin, les Christs de l'histoire. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Pour la première fois, l'ange entre dans l'histoire humaine pour en marquer le jour, et en même temps, il révèle la valeur de ce temps, secrètement caché dans la nature de celui qui vient de naître. Ce n'est pas un simple jour humain, mais un jour de salut, une grande joie, une manifestation de la bienveillance pour les hommes. Avec la naissance de l'enfant sauveur, les jours de tristesse sont finis, les jours de bonheur ont commencé. L'ère de la désobéissance de l'homme est close, l'ère de la glorification de Dieu commence sur terre pour les hommes, à l'instar des anges dans les cieux. Bien que les mots « aujourd'hui » prononcés par l'ange manifestent les points de départ d'un compute historique, en vérité, ils marquent le début d'une ère post-historique, l'histoire du salut éternel, l'histoire de la joie divine qui se déverse sur terre et qui ne sera jamais plus enlevée au cœur humain. Ainsi, l'irruption des anges et de la multitude de l'armée céleste à l'intérieur du monde clos de l'homme marque en fait que l'homme a commencé à pénétrer dans le monde céleste, dans le monde des anges, dans le monde de Dieu. Et la personne de ce nouveau-né qui dépasse les limites du temps et de l'espace. En d'autres termes, la naissance du Christ
marque le début d'une suprême réconciliation entre les deux mondes, celui de Dieu et de ses anges, celui de l'homme et de sa tristesse. Elle marque le début de la révélation de ce que contiennent les cieux, le début de la manifestation de l'invisible. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Tu seras ma fiancée et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Je suppose que votre regard s'est déjà arrêté plus d'une fois
sur l'icône du Christ qui est sur le maître-autel. Peut-être même avez-vous déjà essayé d'identifier tous les personnages qui l'entourent. En général, l'exercice commence bien. Vous avez vite compris, personnage après personnage, que vous vous trouviez face aux figures de saints particulièrement chères ou importantes pour nos fraternités. La Vierge Marie, Jean-Baptiste et Élie, modèles de toute vie monastique, Saint Basile, père des moines d'Occident et son appel à la vie fraternelle, Saint Benoît, père des moines d'Occident, Saint Basile, père des moines d'Orient et Saint Benoît, père des moines d'Occident, et son invitation à l'obéissance et à l'humilité, Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions depuis son cloître, et puis soudain, silence, perplexité. Qui est donc cette femme, cierge à la main, en bas à gauche de l'icône? Cette sainte, à la fois si discrète et si fondatrice pour nos fraternités parisiennes, est entrée dans la vie éternelle un 3 janvier, il y a un peu plus de 1500 ans. C'est pourquoi elle est fêtée en ce jour. Il s'agit de sainte Geneviève. Si elle figure sur cette icône, ce n'est ni par dévotion personnelle de la sœur iconographe, ni par souci de symétrie ou de parité, mais bien parce qu'elle guide et accompagne nos pas de moines dans la ville, de moines à Paris, aujourd'hui encore. Sainte Geneviève, consacrée à Dieu au cœur du monde, priante au cœur de Paris, représente ici les vierges et les ascètes des premiers âges chrétiens vivant au cœur de la cité. Sainte Geneviève, alors que le peuple de Paris avait résolu de fuir devant la menace des Huns, tu as su lui redire la suprême efficacité de la prière. Avec toi, nous voulons, au cœur de la ville, lever les deux bras de la louange et de l'intercession. Sainte Geneviève, alors que tu vivais en solitude, dans le jeûne et la prière, tu as su rester attentive aux besoins des hommes et contribuer très concrètement à nourrir tes frères en organisant le transport fluvial du blé pendant le blocus imposé par les Francs. Avec toi, nous voulons être solitaires tout en nous voulant solidaires, attentifs aux besoins des hommes tout en étant inquiets que de Dieu, unir en nous à la fois Marthe et Marie. Sainte Geneviève, tu as annoncé le Christ, évangélisé les barbares, tu as fait bâtir des églises et construit l'Église. Avec toi, nous voulons dire aux hommes de ce temps la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Sainte Geneviève, tu as su aimer les pauvres et conseiller les rois. Avec toi, nous voulons annoncer par notre vie, avec justice et vérité, l'évangile de la paix. Sainte Geneviève, ce que les premiers moines allaient chercher dans le désert, tout nous redit que nous pouvons le trouver aujourd'hui dans la ville. Sainte Geneviève, tu as su accompagner le peuple de Lutèce dans ses traversées du désert et lui donner de rencontrer cœur à cœur notre Dieu de justice et de droit, d'amour et de tendresse. Tu as su faire fleurir l'espérance au milieu des épreuves. Donne-nous à ta suite de faire jaillir des sources dans les déserts de nos villes. Sainte Geneviève, mère de la patrie menacée, patronne de Paris, toi qui as porté et qui portes Paris par ta prière, prie pour nous. Thank you.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions pour les Parisiens, en particulier pour tous ceux qui travaillent à la beauté et à rendre agréable notre ville. Avec Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions pour les Parisiens, en particulier pour tous ceux qui vivent dans la précarité et la pauvreté au cœur de notre ville. Avec Sainte Geneviève, Seigneur, nous te prions pour les Parisiens, en particulier pour tous ceux qui prient et s'engagent dans les paroisses de notre ville. Avec Sainte Geneviève, patronne de Paris, modèle de vie consacrée au cœur de la cité, au cœur de notre ville de Paris, Père, nous te bénissons. Prions le Seigneur notre Dieu.
Réponds sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentif à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Elle est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Et Tu es bénie entre les